turismo, en Benalia. Je suis Diallo Ibrahima Khalil, l'un des membres du FNDC. Justement, comment le dispositif est là, comment est la manifestation? La presse, vous êtes témoin de cela. Depuis ce matin, les citoyens pro-démocratie qui veulent manifester légalement leur droit de demander à la junte au pouvoir de respecter un certain nombre de choses, un certain nombre de choses. Donc vous avez constaté qu'il y a un dispositif très puissant qui est là ce matin, qui empêche les citoyens à se regrouper pour instaurer une dictature inédite en Guinée. Donc pour cela, les citoyens pro-démocratie se résistent d'abord. Bien sûr que nous sommes beaucoup qui sont là présentement, mais personne, pour des raisons de stratégie, les gens préfèrent rester cachés quelque part jusqu'à la grande mobilisation. Mais ce qui reste clair, nous ne fléchirons pas, car nous demandons ce qui est des droits. Et ce qui est des droits, nous sommes des légalistes, l'esprit citoyen va régner. Nous, on n'est pas là pour la violence, ni on dit manifestation pacifique. Cette manifestation pacifique, on a dit qu'on va marcher et on marchera sur Conakry. Nous sommes à 10h, ici, au point de ralliement, il n'y a presque personne. On peut parler d'échec là. Oui, vous-même vous constatez, c'est ça que j'ai dit au départ. Il n'y a presque personne parce qu'il y a une dictature qui est instaurée. On empêche les citoyens à se regrouper et les gens ont peur de se faire arrêter dans ces pays parce que vous connaissez les manières orthodoxes de nos forces de l'ordre. Au lieu d'être des forces de l'ordre, ils sont des forces du mal pour nous. Donc les gens, pour des raisons d'intégrité physique, ils préfèrent s'abstenir pour le moment. Mais au grand moment, vous allez voir une grande mobilisation à ce rond-point-là. Où est le coordinateur du mouvement? Oh, le coordinateur du mouvement est en milieu sûr pour des raisons stratégiques, je ne vous dirai pas sa position, mais il est en train de se mouvoir actuellement et il sera là bientôt, très bientôt. Est-ce qu'on peut dire que c'est un échec pour FNDC pour le moment, parce qu'il a rien pour le moment? Est-ce que c'est un échec? Non, ce n'est pas un échec. Vous-même, vous voyez, aujourd'hui c'est jeudi, vous connaissez la circulation de Conakry. Les jeudis à l'heure paraît dans les grands ronds-points, c'est pas des circulations fluides comme ça que vous voyez, c'est des embouteillages que vous voyez. Et aujourd'hui, on voit une circulation fluide, ça veut dire la population guinéenne, même si beaucoup ne sont pas sortis, mais ont entendu nos mots d'ordre.
touche là-bas.